que vous faites là, vous? Ah non, on part pas. On voilà. Allez, sortez vite. Ok, tu nous vires? Ouais. Oh, c'est bon, allez, ciao, au revoir. Ciao. On abandonne maman. Hello, hello, et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, vous devez vous demander ce que je fais dans une salle de bain. Voilà. Et plus exactement sur le bord de la baignoire. Mais voilà, j'avais envie de me poser pour vous parler. Étant donné qu'aujourd'hui, les enfants et Sam ont repris le train pour retourner à la maison sur Avignon. Mais moi, je suis restée ici. Puisque je vous l'avais dit, j'ai une Skin Masterclass organisée par La Roche-Posay spéciale allergie demain. Les allergies, ça m'intéresse parce que j'ai plusieurs allergies. Je suis un petit peu allergique à pas mal de choses. D'ailleurs, à la Foire du Trône, j'ai mon allergie au pollen qui a commencé. Et j'ai l'œil là. Non, c'est celui-ci qui était tout rouge ce matin, j'ai mis un petit peu pris, enfin bref, voilà, je pense que ça va être quelque chose de super intéressant. Et du coup, par contre, on n'a pas fait grand-chose d'intéressant aujourd'hui à part aller à la gare pour déposer tout le monde après avoir fait les valises et dit au revoir à tout le reste de la famille. On se retrouve dans le train, on est prêt à partir. Mmh. Salut. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah non, on part pas. Voilà. Ça. Allez, sortez vite. Ok, tu nous vires? Ouais. Oh, c'est bon. Allez, ciao, au revoir. Ciao. On abandonne maman. On va y aller. Super. Coucou la vie, Lola. Ça y est, on est parti. C'est bon, on est bien arrivé à la gare. En tout cas, franchement, c'était vraiment cool ces 3 jours qu'on a passé là-bas. Ouais, c'était très sympa. On s'est bien amusé. Oui. Toi aussi, c'était bien amusé? Oui. C'était cool. Maintenant, ouais, on rentre à la maison parce que demain, il y a école. Ouais, en plus, il commence à être un petit peu tard, donc faut vite qu'on rentre, qu'on se douche, qu'on mange et après, dodo. Exactement. Moi, après, je suis arrivée à l'hôtel et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais peut-être en profiter pour vous faire le room tour de la chambre d'hôtel et que je reprendrai la caméra pour continuer le vlog demain, parce qu'à mon avis, demain, je vais faire des choses plus intéressantes vu que je vais à la Skin Masterclass, pardon. Donc, bah, c'est parti pour le room tour. Alors forcément, je commence par la fameuse baignoire sur laquelle j'étais assise. En fait, elle m'a intriguée, j'ai trouvé trop jolie parce que c'est une baignoire à l'ancienne et je trouve que ça donne beaucoup de style dans une salle de bain, voilà. Vous pourrez voir qu'il y avait pas mal de petites attentions dans cette salle de bain d'ailleurs, puisqu'il y a les baignoires de prévu avec les petits chaussons, les produits Rituals. On précisera que c'est une marque que j'apprécie particulièrement avec le chéri. Ensuite, voilà, hein, le petit lavabo en marbre, fer, noir, franchement, c'est super. Je trouve que ça fait classe, en fait. Voilà, c'est simple, mais classe, avec des rideaux, les fenêtres, bien entendu, floutées, des rideaux pour séparer la salle de bain de la chambre. Et au niveau de la chambre, elle n'est pas extrêmement grande, mais je la trouve également très classe au niveau déco. Donc, je me suis un petit peu déjà mise sur le lit, hein. C'est pour ça que c'est un petit peu le bazar. Je me suis un peu étalée déjà, on va dire, puisque j'ai déjà préparé aussi mes affaires pour demain. Et vous avez une petite coiffeuse ici avec très, très, très important, une machine à café. Alors, je peux vous dire que... je me suis déjà fait un café en arrivant, voilà, voilà. Et c'est tout hein, pour la chambre, comme vous le verrez, elle est assez simple, si ce n'est que le lit est géant. Donc pour moi, toute seule, ça va être juste... En fait, je peux dormir dans les deux sens, hein, dans tous les sens d'ailleurs, dans un lit comme ça. Et sinon, au niveau de l'entrée, rien de particulier, si ce n'est un grand miroir et ici, les petits coins. Donc je vous passerai le détail parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Et voilà tout pour ce petit room tour de la chambre qui sera juste parfaite pour y passer une nuit. Et donc moi, comme je vous l'ai dit, je vous retrouve demain. Et recoucou, je vous retrouve le lendemain, comme vous pourrez le voir, la valise est prête déjà pour repartir. Là, j'étais juste remontée après le petit déjeuner pour me laver les dents et ça m'a fait penser qu'il fallait que je vous parle de ce dentifrice qu'on a trouvé chez Leclerc. C'est la sœur de Sam qui nous l'a fait découvrir et en fait, sa particularité, c'est qu'il est au charbon actif. Donc, elle nous a dit qu'elle en était contente, qu'il était plutôt efficace et on a décidé de le tester. Je vous en donnerai des nouvelles quand ça fera plusieurs semaines qu'on l'utilise. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez parce qu'a priori, on l'a trouvé chez Leclerc, mais il semblerait qu'on ne le trouve pas partout. Donc voilà, voilà. Et sur ce, je file terminer de boucler toutes mes affaires et on part. Bien arrivé sur place et j'ai trouvé mon coin préféré. Il y a le café par ici. Je sens que je vais venir souvent en coin. Et maintenant, on passe
À la petite gourmandise, j'ai déjà pris mon petit déj, mais j'ai peut-être craqué pour un petit pain au chocolat. Matinée très 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 sympathique et surtout j'ai appris énormément de choses, donc à mon avis par rapport à toutes les questions que vous m'avez posées je vais avoir pas mal de réponses à vous apporter, pour ça je suis hyper contente. Et là c'est l'heure de manger, donc je vais vous montrer le buffet, je pense qu'on va se régaler. Salut, on se retrouve après l'école, j'ai décidé de leur faire une petite surprise, j'avais mis les trottes dans la voiture, ils avaient trop envie d'aller au skatepark, donc je leur ai fait plaisir. Demain matin, il n'y a pas école, ou alors un peu plus tard pour Josh. Donc voilà. C'est cool ? Oui. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros orage qui se prépare. C'est devenu tout noir alors qu'il avait fait beau toute la journée. Je pense que ça va pas tarder à tomber très fort. Voilà, vous entendez tonner. Donc les enfants en profitent encore un petit peu. Et puis je pense que on va aller goûter, ça sera plus sûr. Bah heureusement qu'on est parti du skatepark les enfants. Ouais. Parce qu'on avait dit que ça arrivait et ça tombe, mais pas à moitié. Hein. Il pleut, il pleut. Bon, vous êtes bien amusés quand même. Ouais. C'était con, mais c'était quand même sympa. Bon, de toute façon, on verra. On va goûter. Yes. Allez. On se retrouve, petit goûter. Ouais. C'est pour moi, tu me les as préparés. C'est gentil, loulou. Je sais que je peux compter sur toi. Et toi, ma poupée ? Un pain au chocolat et un Capri Sun ? C'est bien, ma chérie. Bon, bah bon goûter ? On est rentré. Comment c'était le pop ? C'était trop bien, génial. Moi j'ai regardé votre choré, c'était super sympa. Hein. Ça me plaît beaucoup. Bon, tu t'es bien amusé ? Oui. C'est le principal. Maintenant c'est douche, papa il va faire à manger. Et puis y a maman qui rentre après, donc il va falloir que j'aille la chercher à la gare. On se retrouve dans la voiture, je suis à la gare. Et regardez qui j'ai récupéré. Elle est de retour, voilà. Bon, ça va ? Oh bah oui. Tout s'est bien passé ? Bah, tout s'est bien passé. Si on parle pas du train, j'ai dû prendre celui d'après parce que celui d'avant j'étais trop juste parce que c'était bloqué pour accéder à la gare de Lyon et blablabla. Et que le train que j'ai pris, il y a eu un problème d'aiguillage sur la voie. Voilà. Donc en fait, au lieu d'arriver à 21h19, j'arrive à 21h56. Voilà. Mais sinon, tout va bien. Hein. De toute façon, 21h19, 56, c'était tard. Ouais. Je m'adapte quoi. C'est ça. Hein, c'est ça. Désolée. Bon, l'important c'est que tu sois rentrée. Mm. On avait tout ça, tu nous as manqué. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Ah, vous aussi ? Ouais, c'était. Voilà, on est content que tu sois là. Les enfants t'attendent avec grande impatience. Une journée c'est trop long finalement. Voilà. Une journée c'est trop long ? Ouais. Ah, bah je retiens, ça fait plaisir. C'est... Franchement, merci. C'est gentil. Ouais. Ça change des fois où quand leur mamie leur dit les parents ils rentrent pas, ils disent ouais. Bah, je crois qu'il faut qu'on soit absent tous les deux. Alors. Ah, quand c'est tous les deux, ça marche. Ça. Quand c'est juste l'un ou l'autre, ça marche pas. Exactement. Bah, en même temps, c'est un petit peu logique, dans l'absolu. Tout à fait. Bon, du coup, je termine mon vlog avec toi. C'est ça. J'espère qu'il vous aura plu. Ouais. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut.